c'est un avantage de la pré-retraite associative. Et maintenant, ça va te donner la possibilité de jouer. Mais cette retraite, nous ne la voulons pas trop rapide non plus. On compte évidemment sur ton engagement. On compte bien évidemment sur toi pour continuer à t'occuper de l'école de golf, de continuer à nous prodiguer des conseils, prodiguer aussi des idées, parce que tu as su animer cet AS pendant 15 ans. Je vous rappelle quand même que Alain, ça va faire 20 ans l'année prochaine qu'il est au club de golf. Je parle sous ton contrôle maintenant, mais j'ai eu de la peine à trouver les informations. Franchement, c'était compliqué. 2005, on m'a dit, hein, on est arrivé en 2005, mais surtout, d'après mes informations, merci Serge, tu es président depuis 2009. Tu étais président depuis 2009. Et tu as su donc construire et insuffler une belle dynamique dans cette association. Un grand bravo. Chacun sait le travail accompli et toutes les personnes avec toi qui ont œuvré dans cette réussite sont remerciées. Alors, on a essayé de vous réunir, il y en a quelques-uns ici. Alors, il y a Patrick Listre, Jean-Pierre Laïus, Pierre Bordet, Serge Duval, Claude Meunier. Alors, j'en oublie peut-être, hein, excusez-moi, mais il a fallu que je recense et que j'aille le plus loin possible dans les archives, mais j'ai pas réussi à tout trouver. Mais en tout cas, ceux qui sont là, encore une fois, et qui continuent de faire vivre la dynamique conviviale du club, il faut les remercier, les applaudir pour le travail accompli. Donc comme dans tous les changements, il y a des adaptations à trouver, mais sois certain Alain, et soyez toutes et tous certains ici et certaines, que avec l'équipe du comité, nous allons nous y consacrer et j'en profite pour les remercier pour la confiance qu'ils m'accordent. Nous allons essayer de nous inscrire pour garder ce fil conducteur, l'intérêt du collectif, le respect des règles et des personnes et la convivialité qui nous réunit encore aujourd'hui. Je veux remercier très particulièrement l'équipe qui a organisé aujourd'hui cette fête du golf, à commencer par Jean-Pierre Demouy. Il faut bien applaudir parce qu'il n'a pas compté son temps. Et on a également toute une équipe qui sont là-bas de bénévoles, je vais le demander de vous lever. Renaud Laïtec, Bernard Hervé, Michel Dandy, Michel Buy. Alain Lafargue qui est venu nous rejoindre aujourd'hui, qui est là à la vidéo. Et également, on a eu Jean-François Bonifay et Sandrine Charlène qui se sont occupés de la logistique des documents, de la logistique du repas, le placement des tables. Jusqu'à ce matin encore, Sandrine était sur la modification des tables, etc. Un grand merci à toi, Sandrine. Dans ces remerciements, il est évident que nous ne pouvons pas oublier Arnaud, avec qui je vais demander de se lever, Benjamin, Amélino et tout l'ensemble des collaborateurs du golf de Marcon, le restaurant, le boucher et les jardiniers qui font un travail formidable. C'est le travail qu'ils le font en collaboration avec l'AS, dans l'intérêt commun que nous partageons, la mise en lumière du golf d'Artemps et de notre AS. Je vous demande de les applaudir. Alors, il y a beaucoup de monde ici. Si Arnaud est là, c'est pas pour rien non plus. On a un cadeau qui a été imaginé par Jean-Pierre Demouy et Pierre Bordet. Qui va être remis, qui est un cadeau assez fort en tradition, qui va être remis par Arnaud et par les enfants de l'école de golf à Alain pour le remercier de ses 15 années d'engagement et de présence. Voilà.
si tu me permets, que l'AGDS l'an dernier, à l'occasion du départ à la retraite, de nous remettre un objet similaire, avec des mots très gentils à mon égard. Je voudrais d'abord dire que cette association existe grâce à Philippe Martin, qui était un membre d'origine de notre golf, un membre fondateur, également président de la Fédération française de golf pendant 8 ans, et il a eu la conviction qu'il fallait que cette association rassemble l'ensemble des membres du golf. Notre passé est un peu compliqué, il y avait une association d'origine et ainsi de suite, et c'est grâce à sa force de caractère et sa détermination, c'était pas évident à l'époque, que cette nouvelle association a été créée. Très vite après, il t'a passé le flambeau, et grâce à toi et tous tes collaborateurs, je pense que tu as eu le talent d'être accompagné par beaucoup d'amis, de bonne volonté, de gens qui voulaient faire progresser ce golf, cette vie sportive, et notamment l'école de golf, qui est pour moi un réel succès. Quand je vois tous ces gamins le mercredi, je suis admiratif de ce que tu as réussi à accomplir à ce niveau-là. Voilà. À titre personnel, je voudrais te dire que j'ai eu énormément de plaisir à échanger avec toi toutes ces années, parce que je pense que toi comme moi, nous aimons ce sport bien évidemment, mais je pense que ton métier comme le mien nous a amené à être extrêmement attentifs à ce qu'est un parcours de golf, comment on peut l'améliorer, les greens, les bunkers, enfin toutes sortes de choses, toutes sortes de sujets sur lesquels nous avons échangé depuis des années, et j'ai eu la chance de t'avoir comme interlocuteur. C'est pas toujours le cas entre un directeur et un président d'association sportive, mais bon, enfin, en tout cas, je pense que nous avons échangé avec beaucoup de plaisir, beaucoup de passion, et nous avons formé, je pense, un binôme tout à fait complet pour ce golf. Et je profite de l'occasion pour souhaiter la meilleure chance à François qui reprend le flambeau aujourd'hui. Je suis sûr que sa motivation et sa détermination nous permettra de continuer sur ta lancée. Bien que d'honneur, mais tout seul, pas grand-chose en fait. C'est parce qu'il y a toujours eu une équipe et toujours eu des gens avec lesquels j'ai pris du grand plaisir à travailler que nous avons réussi à faire ce qu'on a fait. Comme je l'ai dit l'an dernier, pendant toutes ces années, ça a été un grand plaisir de travailler avec Arnaud, que même si on avait des points de désaccord, finalement, on finissait toujours par se retrouver sur l'essentiel, sur le golf. Tu connais très bien le golf, par mon métier, je connaissais un peu aussi. Et on s'est toujours entendu et on a fait progresser tout ça. Je dis tout ça parce que je pense qu'un golf, c'est certes la société commerciale, mais c'est aussi, et c'est essentiel, qu'il y ait une bonne association sportive qui marche et qui donne un esprit, parce que c'est un état d'esprit. On peut être sportif, on n'est pas, on joue pas la gonouillou ici, mais il y a un état d'esprit particulier à Arkhang. On profite et on sait profiter du lieu magnifique qui nous entoure, et c'est ce tout, et il faut savoir faire prendre la mayonnaise. Et je pense que tous les deux, on a réussi à faire prendre la mayonnaise de manière pas mal du tout. Constructive. Et je crois qu'on a de bons résultats, et on n'a pas honte à le dire. Et si Arkhang est là où elle est, la réputation qu'elle est, c'est grâce à tous les efforts qui ont été faits par Arnaud, ses frères, toutes les équipes qui l'entourent. Et je crois aussi, par l'état d'esprit, que l'association sportive a réussi à insuffler. Donc il fait bon vivre, il fait bon jouer à Arkhang, et ça, c'est l'essentiel. Et après ça, je dirais qu'au niveau des mots de golf, François, merci pour tes mots. C'est un plaisir. Moi, je devais de rendre quelque part au golf ce que le golf m'a donné. Le golf m'a beaucoup apporté, m'a permis de faire la carrière que j'ai fait, et c'était normal que je rende au golf au travers de mon club,
sur les jeunes. Et quand je vois les résultats, je me dis qu'avec toute l'équipe de l'école de golf, les pros, Dominique Begbédé, Jean-Marc Nicona, et ceux de la commission des jeunes, Frédéric Landamour, Jean-Pierre Rospide, Chavi Duhalde, on fait des trucs pas mal. Et les gamins, grâce à vous, on monte dans les classements. Et c'est sympa. Et les gamins, c'est sympa. C'est l'avenir du club. Et continuez à bien jouer. Et ouais, voilà, c'est tout. Merci. Allez, bonjour, bonjour. Pardon. Je vais montrer. La devise des Sontrés, c'est Sempre Viverset. Voilà. Et les couleurs sont vert et rouge. Ils ont bien écrit la devise des Sontrés, c'est Sempre Viverset, toujours à la banque. Ouais.